Bonjour à tous. Ouais, il faudrait qu'on les renvoie pour que je puisse. Merci à Pilay de nous donner l'occasion de présenter notre produit aujourd'hui. Effectivement, on a eu la chance de ne pas être impacté puisque notre applicatif Happy Meal est hébergé à Gravelines. Donc, ce qui me donne l'occasion de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Je vais tout de suite reprendre la présentation. Pour ceux qui étaient là le 2, vous verrez, il y a juste deux ou trois slides communes, hein, juste pour resituer notre expertise et nos domaines d'intervention. En quelques mots, donc vous présentez l'agence Mille. Donc nous sommes une agence web située à Privas en Ardèche, impliquée sur Appidae donc depuis 2015 et la création de l'agence, et puis plus largement depuis 2005. Dans le cadre de nos attributions professionnelles précédentes, côté ADT de l'Ardèche en ce qui me concerne, et pour mon associé Jérôme, côté agence web, parmi les premières à avoir mis en place des sites internet directement interfacés avec Citra à l'époque. Nos domaines d'intervention, c'est le domaine en premier lieu, le marketing, hein, le conseil global en stratégie de positionnement web. L'identité à travers la production de logos, de chartes graphiques et diverses productions graphiques. Le digital, notre cœur de métier sur la conception de sites internet, qu'ils soient vitrines, e-commerce, marchands, mais également à travers la mise en œuvre de développement spécifique pour nos clients. Et puis notre grand domaine de spécialisation, bien entendu, le e-tourisme, à travers la connexion, l'interfaçage avec les systèmes d'information touristique, mais également des domaines complémentaires que sont notamment la réservation en ligne. Et puis, bien sûr, Happy Meal, qui est l'objet de notre présentation aujourd'hui. On travaille également donc essentiellement donc pour les destinations, donc à travers la mise en œuvre de sites, comme je l'ai évoqué. On connecte à l'ensemble des grandes solutions techniques nationales que vous connaissez bien, qu'elle soit en matière de réservation en ligne, en matière de CRM, en matière d'outils de caisse, de randonnée. Et puis, on a une spécificité particulière sur WordPress et on développe un module Appidae spécifique qu'on enrichit au gré des dossiers et au gré des demandes de nos clients. Aujourd'hui, Happy Meal, donc, comme Gaël, on ne t'entend plus. Il semblerait qu'on ait un petit souci de connexion. Je vous prie de nous excuser, on va patienter 2 minutes le temps que la connexion de Gaël revienne. On attend encore un petit peu. Excusez-nous encore une fois, ça va revenir. Alors, est-ce que vous m'entendez, Lucie? Je suis navré, j'ai eu une coupure de connexion, comme quoi On les t'entend. aléas techniques en ce moment. Vous m'entendez? Ouais, c'est Oui, parfait. Tu peux y aller. bon, désolé, je ne sais pas où est-ce que ça a coupé.
Simplement, donc j'allais dire que j'allais tout de suite procéder à une démo en ligne. Voilà, donc j'arrive ici sur le tableau de bord hein, de l'applicatif Happy Meal. Je suis sur mon compte de démo, donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de tests et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en démarrant une nouvelle brochure. Cette brochure, je vais lui donner un nom. Éventuellement un descriptif, éventuellement un tag pour la classer. Donc je suis sur le territoire Privas Centre Ardèche, hein, le territoire dans lequel est implantée l'agence. Évidemment, par défaut, nos clients ont leur territoire qui est paramétré ici. Ils peuvent rendre leur brochure. Donc c'est un outil collaboratif multi-utilisateur au sein de la structure Office de Tourisme. Donc chaque utilisateur peut rendre sa brochure modifiable par tous, cachée ou seulement ou visible mais verrouillée. Je vais me retrouver sur une interface avec principalement deux niveaux de menu, un menu haut ici et un menu latéral ici qui va me permettre de construire ma brochure pas à pas. Le premier bouton, j'y reviendrai tout à l'heure, ça va être le bouton d'appel à Apidae. Le second bouton réglage va me permettre de retrouver les réglages que je viens d'opérer en créant ma brochure, d'ajouter une couverture à cette dernière. Voilà. Par exemple celle-ci. Et d'ajouter des pages complémentaires qui vont venir s'insérer après la première de couve ou avant la dernière de couverture. On est sur Happy Meal en train de développer et d'achever le développement d'une version 3 de notre outil. Dans la version 3, nous allons pouvoir gérer un chemin de fer complet de la brochure et insérer des pages complémentaires là où nous le souhaitons. Donc j'ai donc un compteur de pages qui s'est mis à jour. J'ai donc une page aujourd'hui sur ce document-là qui est la page de couverture. Je vais enregistrer mon travail et tout de suite aller pouvoir créer un premier chapitre. Ce chapitre, je vais lui donner un nom. Je vais choisir par exemple de remonter les hôtels. Je vous ferai un exemple tout à l'heure avec des activités, avec des événements. Je vais déterminer le nombre d'objets par page que je souhaite voir dans ce chapitre, 6, 4, 6 ou 8. Je vais déterminer un univers colorimétrique pour ce chapitre, soit à l'aide de la palette ici, soit en définissant une couleur par son code hexadécimal, soit à l'aide de raccourcis vers les couleurs de votre charte graphique qu'on vous implémente ici dès lors que vous avez un compte Happy Meal. On peut ajouter une carte en fin de chapitre qui va géopositionner l'ensemble des objets touristiques du chapitre en question. Donc, c'est une carte autocalculée sur fond OpenStreetMap. Je vais pouvoir ajouter également une en-tête personnalisée à ce chapitre pour donner une introduction visuelle, si je le souhaite, à l'aide soit d'un bandeau que j'aurais moi-même créé et incorporé dans ma bibliothèque de médias, soit en reprenant directement une photo et en reprenant le titre du chapitre sur l'image. Je vais pouvoir bien entendu gérer les langues hein, et déterminer quelle langue doit être appelée dans Apidae pour remonter les informations. Je vais pouvoir appliquer un traitement graphique différencié pour mes non-adhérents, c'est-à-dire que vous nous communiquez votre ou vos critères adhérents que nous implémentons dans l'outil, ce qui nous permet d'en déduire les non-adhérents et du coup d'activer cette fonctionnalité en incluant les non-adhérents au même titre que les autres, en les reléguant en liste simple en fin de chapitre ou en ne les intégrant pas. Je vais avoir ensuite quatre manières principales de remonter mon offre. En fonction des cas, l'une ou l'autre sera la plus simple à mettre en œuvre. Je peux tout d'abord utiliser les sélections. Donc, on récupère dynamiquement les sélections de votre projet Happy Day sur lequel est paramétré Happy Meal. Vous les avez à disposition dans l'outil. Vous pouvez utiliser, mais c'est plutôt du dépannage, un listing d'identifiants d'objets Apidae, séparé par des virgules, qui va vous permettre de mélanger des choses qui obéissent pas à une sélection particulière ou à une recherche critérisée. Et volontairement, je ne vais pas utiliser ces deux premiers moyens, je vais dérouler l'ensemble des autres onglets pour aller utiliser le moteur de critérisation interne à l'outil. Donc, je déroule le second onglet, périmètre géographique, où je vais pouvoir donc déterminer si j'utilise le territoire que j'ai défini dans les réglages généraux de la brochure,
ou si je souhaite, par exemple, faire un focus sur une commune en particulier, ou agréger même plusieurs territoires pour remonter l'offre de ce chapitre-là. Donc, pour l'exemple, je vais rester sur le territoire générique et je vais basculer dans les critères. Donc, je vais critériser mon offre et donc aller dire à l'outil Happy Meal de remonter l'ensemble des hôtels. Pour ce faire, je dispose de plusieurs moyens. Un premier moyen serait d'appeler l'ensemble du Bordereau Hôtellerie ici. Le second serait d'aller peut-être, et c'est plus visuel, dans le référentiel Apidae qui a été reformaté à travers cet écran, où on va retrouver dans le Bordereau Hôtellerie les hôtels et les hôtels-restaurants. Donc, je vais ajouter ces éléments-là, je vais enregistrer mon travail et je vais faire appel à Apidae. Apidae me remonte 8 résultats. Je vais disposer pour cette liste de résultats d'une fonction drag and drop me permettant d'ordonner mes objets dans l'ordre souhaité. Par défaut, ils vont être classés par nom de commune puis nom d'objet. Je vais pouvoir également interagir directement dans l'objet touristique sur les informations remontées d'Apidae. Il est bien évident que toute modification d'objet a plutôt vocation à être faite sur Apidae, mais finalement, ce module-là est un module d'ajustement qui vous permet de vous adapter aux contraintes du print, et notamment peut-être de, alors ce n'est pas le cas de cet objet, hein, de raccourcir un champ tarif trop long, de choisir une photo, alors celui-ci en a qu'une, mais de choisir une photo plus adaptée à la thématique de ma brochure. Par défaut, on va remonter la photo principale. Voilà, c'est un petit peu la variable d'ajustement. Qui permet à l'OT d'interagir entre Apidae et le rendu print. On ne va pas écrire les infos qu'on va saisir ici dans Apidae. Il s'agit juste de pouvoir adapter le rendu à travers cet outil-là. Cela va créer un versionning de l'objet qui va être stocké et réutilisable par les autres utilisateurs de la structure. Je vais lancer la prévie. Donc, on a bien un bandeau d'en-tête qui s'est incrémenté, notre univers colorimétrique rouge qu'on avait choisi, qui entoure chacun des objets touristiques, et donc la mise en forme, donc selon un gabarit à 6 objets. Vous voyez en bas que vous avez les emplacements vides, hein, puisqu'on va changer de page à chaque fois qu'on change de chapitre, ces emplacements vides sont personnalisables. À l'aide notamment, ben pourquoi pas, d'un visuel ou de texte que vous souhaiteriez mettre en œuvre. Je vais vous créer un second chapitre à vitesse réelle pour vous montrer que ça peut aller très très vite. Donc ce chapitre, je vais l'appeler camping. Je ne vais pas ajouter d'en-tête personnalisée pour vous montrer la différence. Je vais changer la couleur. Je vais aller dans mes critères, dans le référentiel Apidae. Sélectionner le bordereau hôtellerie de plein air et remonter les campings. J'ajoute ce chapitre, j'enregistre mon travail, j'appelle Apidae, qui me remonte 19 résultats et je lance la prévisualisation. Et on va donc retrouver nos campings avec un univers bleu et sans en-tête. Voilà, dans sa mise en forme, gabarit standard. Je vais ajouter un autre chapitre plutôt de type agenda. Je vais sélectionner une nouvelle couleur et dans mes critères ici, je vais prendre l'ensemble du bordereau fêtes et manifestations. On peut également faire des imbrications de critères et puis en excluant, par exemple, en faisant des conditions imbriquées et en excluant les marchés, par exemple. Voilà. Et donc, on imbrique la condition. Je veux toutes les fêtes et manifs à l'exception des marchés. Donc, ce module de sélection sera largement redéployé dans la V3 et notamment pour coller au module dont vous avez l'habitude sur Apidae
tourisme qui permet d'imbriquer des et des ou. Je vais enlever ce critère-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'événements en ce moment. Et donc, je vais aller saisir les dates de mon agenda pour lesquelles je veux que l'info, l'ensemble des objets remontent. Je vais choisir une période assez large. Je vais ajouter. Je vais appeler Happy Day. Il me remonte 26, 28 résultats ici. Et je vais avoir la possibilité, à l'aide de cette petite fonctionnalité ici, de remonter un événement à la une. Imaginons que vous avez un événement qui est plus structurant pour vous, sur une période donnée. Vous pouvez ici le remonter à la une. Je vais lancer la prévie. Alors, pendant que ça charge, je vais juste vous montrer une slide pour vous dire que les événements, c'est un cas un petit peu particulier. Voilà, dans la mesure où, en fait, ce qu'on fait sur l'agenda, c'est qu'on gère la récurrence. L'idée, c'est de ne pas répéter un événement qui se reproduirait tous les jours ou toutes les semaines en fonction de la période donnée. Et donc, on va regrouper les dates d'un même événement en fonction de la manière dont il est saisi sur Rapidae et pouvoir l'afficher donc une seule fois en indiquant la récurrence qui lui est assignée. Tout cela est déduit en fait de la manière dont vous saisissez sur Rapidae. Hein. Vous avez quatre manières de saisir les ouvertures liées aux événements. Le type ouverture semaine, ouverture soft, ouverture tous les jours, ouverture mois. Donc c'est ce qui nous permet de déduire et d'afficher ces événements récurrents. Donc voilà, qui s'affiche à partir d'ici. Donc je retrouve, je n'avais pas mis de bandeau graphique d'en-tête pour mon chapitre. Je retrouve un événement qui a été mis à la une, qui vient prendre la place de deux blocs ici. On pourrait très bien en mettre plusieurs. Et donc j'ai ensuite mes événements récurrents, puis mes événements sur une seule date ou sur une période. Alors évidemment, ça n'a pas de sens ce que je fais, c'est-à-dire un chapitre hôtel, un chapitre camping, un chapitre agenda. On aurait plutôt une brochure agenda subdivisée en plusieurs chapitres, exposition, concert, marché, etc. Mais c'était pour vous montrer la variété des possibilités au sein d'une même brochure. Je vais ensuite aller pouvoir, une fois que je suis satisfait, pouvoir générer mon PDF. Et donc ce PDF, je vais pouvoir le générer en A4, en A5 et éventuellement en HD afin de me permettre de bénéficier d'une résolution la maximum, 300 dpi, et d'avoir un export avec trait de coupe et fond perdu. Ce que vous avez vu jusqu'à présent, ce sont les gabarits standards qui sont à disposition dans l'outil. Cette bibliothèque de gabarits standards va être, dans le cadre de la version 3, être amenée à largement s'étoffer. Mais ça me permet de faire le lien. On est aussi capable de mettre en œuvre des gabarits personnalisés. Et donc, l'idée, c'est que l'OT nous fournit, ou nous pouvons le réaliser pour eux, un gabarit souhaité de remontée de son offre. Vous en avez un devant vous où on va paramétrer champ par champ on va pouvoir intervenir sur l'ensemble de la création graphique pour remonter un gabarit complètement personnalisé où on va pouvoir agir sur les champs Happy Day, je l'ai dit, sur les pictos, sur les polices, sur la taille des polices et la manière dont vous souhaitez remonter vos offres. Donc, on est tout à fait en capacité de reprendre une création graphique ou une brochure précédente que vous avez et pouvoir vous mettre à disposition ce gabarit dans l'outil pour que vous puissiez être autonome et avoir un rendu complètement charté. En l'état, dans la solution standard, vous paramétrez la couverture, la dernière de couve, l'insertion libre de page et les bandeaux d'en-tête de chapitre. Le reste est fixe. Je vous montre un autre type de gabarit personnalisé. Donc là, c'était pour un OT Vallée de la Drôme et la particularité de ce gabarit, c'est qu'on a mixé des infos françaises et anglaises au sein d'un même gabarit. Donc vous voyez qu'il est présenté un petit peu de manière différente, hein, quatre objets par page. On a un code couleur par sous-territoire ici. Vous avez le liseré qui indique le chapitre qui est présenté sur la gauche. Donc on est en capacité de reproduire à peu près ce que vous voulez au niveau de votre expression de besoin pour remonter des gabarits personnalisés.
Donc, je reviens sur ma présentation, simplement pour vous dire que donc il y a une nouvelle version qui arrive de l'outil API Mim qui sera déployée au mois d'avril et elle présentera les innovations suivantes, hein, l'ajout de fonctionnalités qui ont été demandées par nos offices de tourisme partenaires, donc la gestion de l'ensemble du chemin de fer de la brochure. Avec ajout de page au cœur de la brochure, ce sera un premier point important. L'ajout de nouveaux gabarits au sein de l'offre standard, je viens d'en parler. La capacité de paramétrer chapitre par chapitre, de vous donner plus de liberté sur les typologies d'informations que vous remontez, notamment le fait de pouvoir remonter au-delà du descriptif standard, les descriptifs privés, thématiques, de gérer les aspects. La capacité également de pouvoir, chapitre par chapitre, déterminer des règles de tri. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y avait une règle de tri standard et ensuite du drag and drop pour ordonner ces objets. On va pouvoir mettre en œuvre des tris automatisés basés sur des champs API. On va également pouvoir, et c'était une demande assez importante, sous-chapitrer différents chapitres et pouvoir avoir, par exemple, un grand chapitre meublé qui va être sous-chapitré en classement. Il y a bien d'autres applications possibles, mais c'est un exemple. Dont la demande s'est fait jour récemment. On va largement étoffer notre module de gestion des emplacements vides avec de nouvelles fonctionnalités permettant de le gérer plus facilement. On interface l'outil avec une connexion SSO APIDAE qui vous permettra d'avoir le même identifiant entre APIDAE et APIMIL. Et puis, dans le cadre du projet des Charentes, on est en train d'interfacer l'outil avec la CRM Avizy. Donc voilà, c'est un ensemble de fonctionnalités qui ont pour but de vous donner un maximum de liberté, un maximum de personnalisation possible de vos brochures. Et puis la grande nouveauté de cette version 3 va être un nouveau mode qu'on est en train d'implémenter, qui est le mode accueil comptoir. Ce mode accueil comptoir, il a vocation à vous permettre de répondre à une demande, une demande d'un client que vous avez en face de vous, que vous soyez en accueil comptoir ou en accueil hors les murs, et pouvoir générer dynamiquement une brochure, la paramétrer et l'envoyer par SMS ou par mail. L'idée, c'est de ce mode-là, c'est de faire une interface qui soit accessible même à des agents ne connaissant pas APIDAE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait presque répondre avec la solution actuelle au comptoir. Mais voilà, l'idée c'est de vraiment fluidifier, de raccourcir le temps de création de la brochure et de ne pas avoir besoin de connaissances APIDAE pour le faire. Je vais vous montrer quelques écrans de cette solution. Donc voilà, ce nouveau service va s'appeler APIMIL Desk. Donc là, vous êtes sur la nouvelle page d'accueil d'APIMIL hein, qui va donc proposer ces deux services, APIMIL l'édition qu'on vient de voir et qui sera proposée dans une version largement remaniée avec un ensemble de fonctionnalités complémentaires. Et APIMIL Desk, on va y venir tout de suite. Voilà, ça se présente de cette manière-là. L'idée, c'est que vous ayez sur la droite la possibilité d'avoir en raccourci un ensemble de listes préparamétrées. Ces listes préparamétrées, on ferait le choix avec le client de les préparamétrer ensemble et de vous mettre un certain nombre de raccourcis. Ici, vous l'avez sur les manifestations. L'idée, c'est qu'en un clic, vous puissiez ajouter à votre sélection une liste d'objets et venir donc incrémenter donc un déroulé de la brochure personnalisée. Il est matérialisé ici à travers quatre typologies d'éléments, donc des gîtes 6 personnes avec piscine. Par exemple, un groupe concert festival, vide-grenier brocante, randonnée pédestre. Voilà, l'idée, c'est vraiment en un clic, j'ajoute à mon panier dynamique l'ensemble des éléments que je souhaite. Je peux même aller rechercher textuellement un objet en particulier à l'aide de l'outil en bas et l'ajouter lui aussi dynamiquement à la sélection. Et en un clic, derrière, je vais envoyer par SMS, envoyer par email ou imprimer. Donc l'idée, c'est que ça puisse être fait sur tablette, que ça prenne vraiment quelques secondes pour générer cette brochure et qu'on puisse reprendre une charte graphique liée à cette brochure-là qui aurait été convenue en amont avec vous.
Donc voilà, en quelques mots, à la fois l'existant et puis les perspectives qui s'offrent à nous sur cet outil. Du coup, je n'ai pas regardé les questions sur le chat, Lucie ou Virginie, si. On attend, allez-y, posez vos questions dans le chat ou prenez le micro, n'hésitez pas en tout cas. On va juste un petit peu attendre un petit peu Gaëlle que les questions arrivent. Oui. Alors, on en a une première. Est-ce qu'un desk permet l'ajout des identifiants de fiches d'un panier Apidae? D'un panier Apidae qui serait. Est-ce que. Alors, est-ce que le desk permet. Pardon, je ne la vois pas la question. Alors. Alors, je t'invite à ouvrir l'onglet chat et dessus, tu vas avoir toutes les questions. Il y en a une également sur le multi-horaire. Est-ce que tu le gères avec ton outil? Alors, donc le multi-horaire fait partie des éléments sur lesquels on s'est penché, qui vont être ajoutés, qui ne seront pas livrés le mois prochain, mais qui sont bien dans les tuyaux pour être ajoutés dans la suite, par la suite, pardon. Je reviens sur la première question. En fait, est-ce que ta solution desk, elle permet l'ajout des identifiants de fiches d'un panier Apidae? Mais Est-ce de que panier c'est… qui serait donc. Le Alors, à panier, en fait, partir d'un… c'est la solution qui propose un panier et qui nous permet d'aller ajouter des objets, soit un par un, à l'aide d'identifiants d'objets. Ça serait la recherche textuelle et recherche par identifiant qui nous permettrait d'aller chercher les objets un par un. Oui, et donc la solution permet donc est un panier dynamique en elle-même qui va générer une brochure. C'est la notion de Merci. panier Apidae où j'ai peut-être du mal à. Si la personne, si jamais la réponse n'était pas complète, qu'elle n'hésite pas à prendre le micro. On a une autre question également. Donc, est-ce qu'il y Et aura alors, dans la V3? Ouais. je ne l'ai pas présenté. Il y a déjà une solution XML, c'est-à-dire que, et si vous voyez mon écran, en fait, vous disposez en option d'un configurateur de flux XML sur mesure qui vous permet à travers le CAPI 1000 de déterminer bordereau par bordereau les typologies de champs que vous voulez exporter, de générer un flux XML et derrière, dans l'idée d'aller le mapper avec un masque de saisie InDesign. Donc, question suivante, est-il possible de faire remonter des descriptifs privés? Oui, pas dans alors pas dans la V2 aujourd'hui, dans la V3, tout à fait. C'est ce que j'évoquais à travers cette slide ici. Gaëlle, est-ce que tu peux nous parler tarifs également? Non, j'en parlerai avec chacun des OT. On est sur des. On est sur un niveau de tarif, sur une version standard qui. En tout cas, en année de croisière, est inférieur à 1 000 euros sur la version standard. Mais pour la grille tarifaire, je m'entretiendrai avec chacun des OT pour faire une proposition adaptée en fonction des besoins. Merci. Alors, est-ce qu'une rubrique sommaire et explication des légendes se génère automatiquement? Alors, actuellement, on a un sommaire qui vient s'implémenter en page de couvre. Sans explication de la légende, version 3, oui, on a en page 2, et je ne l'ai pas ajouté là dans ma slide, en page 2, on a un sommaire étoffé avec rappel des pictos, explication des légendes. Alors, est-il prévu de conserver l'adresse mail GRC du client avec API 1000 Desk? Non, pas dans un temps 1, pour des contraintes RGPD. Après. Vu que c'est un outil en cours de déploiement, on est tout à fait en mesure, soit d'aller l'injecter dans votre outil de CRM avec une passerelle technique assez simple, soit de le conserver, mais auquel cas, si on le conserve, il faudra qu'on en fixe les règles ensemble en fonction des usages. Alors, pour l'agenda, oui, vous pouvez mixer. Effectivement, le cas se présente sur les visites guidées, notamment sur certaines activités. Vous pouvez aller mixer des fiches activités dans l'agenda. Merci, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, on a encore un petit peu de temps.
Après, c'est vraiment pour cette question de l'agenda, c'est vraiment aussi la qualité et l'harmonisation de la saisie qui vont faire qu'on va être en mesure de restituer quelque chose qui convient en tout point à ce que vous voulez mettre en œuvre. On va patienter 2 minutes, Gaëlle, savoir s'il y a des dernières questions. C'est Virginie, du coup, en back-office qui nous les fait passer. N'hésitez pas. Bonjour Gaëlle, Cyril à l'agence Savoie-Mont-Blanc. Merci pour cette Okay. présentation très détaillée, très complète, et puis toutes ces belles évolutions de la plateforme. Ça fait plaisir. Une petite question concernant la capacité à modifier l'information, elle est conservée combien de temps dans le back-office d'Apimil? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de limite de temps. Par contre, ce qu'on est en train d'optimiser dans le cadre de la V3, c'est le fait de conserver des modifications qui auraient été faites tout en allant rechercher les nouvelles informations API. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des mises à jour sur un objet API, sur des éléments, des photos, etc. Mais vous avez déjà fait des modifications, notamment sur le champ tarif en clair, qui pour les contraintes de la brochure était trop long. Ben, le fait de pouvoir aller rafraîchir, rechercher, sans aller chercher l'ensemble des informations sur API, mais de rafraîchir que les informations dont on a besoin. Et le versionning aujourd'hui est conservé ad vitam aeternam. Okay, merci. On a une question également. Peut-on avec Happy Meal Desk proposer des listes de commerçants, restaurants, hôtels afin de remplacer les brochures actuelles? Alors, c'est le cas d'Happy Meal Edition, déjà, qui répond à cette demande-là. Happy Meal Desk, nous, on l'a imaginé spécifiquement pour répondre, pour générer une brochure par client, mais possiblement avec les deux, bien évidemment. Mais Happy Meal Edition permet déjà de créer des guides d'hébergement, de créer un ensemble de brochures, de les rafraîchir en cours d'année, de les mettre en téléchargement sur son site internet, etc. On attend encore un petit peu. Virginie, est-ce que tu vois d'autres questions arriver? Ah oui, après actualisation sur Rapidae, combien de temps faut-il pour Alors, actualiser? on est sur une Ouais, pour actualiser. technologie API, d'accord? À la différence des exports, la technologie API est quasi temps réel. Je pense que Serge Brigliano pourrait nous le confirmer côté API. Donc, on n'est pas sur une technologie export comme vous pouvez avoir sur vos sites et avec un refresh qui intervient toutes les nuits. Donc, c'est a priori du temps réel. Y a-t-il une évolution au niveau de la maîtrise des infos qui figure dans les encarts? Par exemple, avoir un encart sans photo ou enlever la phrase tarif. Donc, enlever la phrase tarif, vous le pouvez déjà en modifiant l'objet. Avoir un encart sans photo, aujourd'hui, non, ce n'est pas prévu. C'est-à-dire que nous, on automatise des listes d'objets pour lesquels on définit un comportement générique pour l'ensemble de la liste. Par contre, si la question est liée notamment aux non-partenaires de l'Office de tourisme, on peut les gérer par ce biais-là. C'est-à-dire qu'on convient ensemble d'un encart qui va être minoré pour les non-partenaires. C'est le cas notamment, si j'y vais dessus, si vous voyez toujours mon écran. C'est toujours le cas. OK. Alors j'y vais, c'est déjà le cas. Pour l'hôtel de Saint-Raphaël sur sa version donc hébergement meublé, où finalement la demande ici, c'était d'avoir, ça arrive, voilà, ici finalement en fait sont matérialisés par les tailles d'encart, les niveaux de partenariat de l'hôtel de Saint-Raphaël. Donc, partenaire, c'est premium, on va dire, avait un encart qui représentait un sixième de page et le partenaire secondaire avait un douzième de page sans photo.
J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de questions. Le webinaire touche à sa fin. N'hésitez pas Alors, dans tous les à cas, poser vos dernières questions, hein. juste pour donc moi, je me tiens à votre disposition évidemment pour échanger sur vos besoins et pouvoir voir dans quelle mesure notre solution peut répondre. Pour vous reproposer des démos en ligne adaptées à votre territoire, ça se fait assez facilement sur une session de 40 minutes par exemple. Donc vous aurez à la fin du PowerPoint l'ensemble des coordonnées pour qu'on puisse parler de vos projets et prévoir des temps d'échange et de démo. Eh ben, merci beaucoup, Gaëlle. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc voilà, vous avez les informations de contact, hein. Gaëlle at agence-1000.fr. Donc n'hésitez pas à le contacter par mail ou par téléphone. On vous donne donc en